aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce pour couper un bout de tissu droit dans un grand morceau de tissu comme ça. Alors moi, j'ai 5 mètres de tissu en tout et j'ai besoin de 2,05 m. Et je voudrais qu'il soit coupé droit sans m'embêter à prendre des mesures, à le plier dans tous les sens et tout ça. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Vous prenez votre mètre de couturière. Hop. Et vous mesurez ce dont vous avez besoin. Donc dans mon cas, je vais prendre 2,10 m. Au moins, je suis sûre que j'aurai un petit peu plus large. Donc bon, j'arrive à 150 cm. Il m'en manque encore 50. Voilà, ça me ramène à peu près ici. Bon, visuellement, je note l'endroit hein, où ça se situe parce que j'ai oublié de prendre ma paire de ciseaux avec moi. Donc, ça s'arrête environ ici. Alors, je fais simplement une petite encoche avec mon ciseau. Pour marquer l'endroit où j'ai besoin de couper droit mon tissu. Après, je prends chaque bout comme ça et je tire d'un coup sec. Et là, je suis sûre que ça va être droit. Je continue comme ça, ça va suivre le droit fil de ce côté-là. Donc voilà. Et donc je sais forcément que ça a suivi le fil de trame et que ma coupe est droite. Pas besoin de se prendre la tête. Et voilà. Donc c'est vraiment une petite astuce toute simple, mais bien utile quand on en a besoin. Je vous dis à bientôt. Ciao !